Et bonjour à tous, c'est Brasier, votre gamer préféré du mois, j'espère. On se retrouve pour la boutique du 25 juillet 2022. Donc hier c'était bien la 24, hein, je me suis trompé en vous annonçant notre date. Donc voilà, on commence de suite avec le pack Cristal Plongeuse qui fait son grand retour. Cristal Plongeuse donne un nouvel éclat à l'été. Fait partie elle aussi de l'éclat clandestin, disponible depuis la saison 7 du chapitre 2 avec ses deux customs différentes. Avec sa tailleuse en arc-en-ciel qui sont outils de Colette, excaver les couleurs. Voilà. Son accessoire de dos, gemme porte-bonheur, protégez-vous grâce au pouvoir de la pierre avec ses 12 customs différentes. Ah oui, quand même, donc voilà, ça vaut le coup. La quatrième, la cinquième, la sixième, la septième custom, la huitième donc. La 9e, la 10e, la 11e et pour finir donc la 12e custom. Voilà. Et en plus, le petit écran de chargement était cosmique, la fête extraterrestre commence, tout ça pour 1300 V-Bucks. Sinon, en repas, vous avez Cristal Plongeuse pour 800 V-Bucks, la tailleuse arc-en-ciel 500 V-Bucks, le gemme porte-bonheur 400 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez Infini qui fait son grand retour lui aussi. La victoire se trouve dans les étoiles. Fait partie de l'ensemble Arpenteur des étoiles, disponible depuis la saison X pour les chapitres. Avec son firmament manteau. Porter le destin de la galaxie sur les épaules. C'est son petit accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. La frappe stellaire qui est son outil de collecte pour 800 V-Bucks. Le zéro éternel, c'est le petit revêtement d'armes pour 500 V-Bucks. Le retour du chef du groupe du Panda. La victoire d'abord, la sieste ensuite. Saison 5 pour mes chapitres. Avec son accessoire de dos bambou, sa croque sous la dent, tout ça pour 2000 V-Bucks. Ensuite, vous avez Yuk Song qui fait son grand retour. Vive le roi, fait partie d'ensemble Yuk Song, disponible depuis la saison 2 premier chapitre. Avec sa bannière royale qui est son accessoire de dos, portez fièrement vos couleurs, tout ça pour 2000 V-Bucks également. Le dragon royal, c'est le petit planeur, partie du même ensemble, pour 2000 V-Bucks lui aussi. Le Jung Bang qui est son outil de collecte, digne d'un roi, pour 1200 V-Bucks également. Ensuite, vous avez le retour de la Renégate, une tenue de Renégate atypique, saison 1, chapitre 1, pour 800 V-Bucks. Astra, aussi au firmament du talent, fait partie d'un seul étoile filante, disponible depuis la saison 1 du chapitre 2 avec ses deux customs différentes. Avec sa belle étoile, qui sont accessoires de dos, elle vous guidera, elle aussi fait son grand retour pour 1500 V-Bucks donc. Une petite emote, ça va, je pensais à la hauteur du défi, saison 5, chapitre 2. Trésor englouti. Donc c'est le petit revêtement d'armes, saison 6, chapitre 2 pour 300 V-Bucks. Le crabe, la petite emote, tout le monde en pince pour vous, saison 9, chapitre 1, donc pour 500 V-Bucks. La boxe et du ressort, saison 8, premier chapitre pour 200 V-Bucks. Voilà les amis. Ensuite, j'ai toujours le pack King James avec le Brun James et son bling du King, qui est un accessoire de dos. Les Brunton Squad avec son sac à dos suprême. Le petit écran de chargement, le roi du terrain, et vous avez pour les deux les Bron et pour Blink du King des quêtes à déverrouiller pour les avoir en légendaire, tout ça pour 2500 V-Bucks. Après, vous avez le pack d'équipement de King James avec le lion, l'envergure, l'appel au silence, la petite emote avec eux aussi le lion et l'envergure. Différentes quêtes pour diversifier, pour vérifier votre progression. Vous déverrouillez un curseur de niveau d'or, donc ça pour 1800 V-Bucks. Ensuite, vous avez Brown James avec son bling du King et les quêtes à déverrouiller pour les avoir au niveau or, tout ça pour 2000 V-Bucks également. Le lion et la quête légendaire à faire pour 1200 V-Bucks. L'envergure et sa quête légendaire pour 1200 V-Bucks également. Le Bronze Squad avec son sac à dos suprême pour 1500 V-Bucks. L'appel au silence pour 200 V-Bucks. Voilà, c'est pack et hors pack. Ensuite, vous avez le pack Archer Astral avec Kairi et son carquois de vérité, ainsi que son Selenark tranchant qui est son petite collette pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Kairi et son carquois de vérité pour 1500 V-Bucks. Le Selenark tranchant pour 800 V-Bucks. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez le pack Petit Cornet, toujours avec le Canigou, son accessoire de dos. La glace à l'eau, son outil de collecte, le sandwich glacé, c'est son petit planeur, le bourrombage, son revêtement d'armes, et la petite emote, c'est trop bon,
Et pour finir, petite musique, mon petit cornet pour 200, pour 2500 V-Bucks, donc c'est le prix du pack. Hors pack, vous avez petit cornet avec son canigou pour 1500 V-Bucks, la petite emote pour 500 V-Bucks, la glace à l'eau pour 800 V-Bucks, le sandwich glacé pour 800 V-Bucks également, le rembage pour 300 V-Bucks, ce petit revêtement d'armes et la petite musique pour 200 V-Bucks pour terminer. Voilà. Ensuite, vous avez toujours Ruby Estivel avec son sac translucide pour 1200 V-Bucks. Les ventreuses rayées pour 500 V-Bucks. Le pack Nomade Estival avec Nomade Estival et son pistolet sorbet qui est son accessoire de dos. Sa rupture double qui est son outil de collecte. Le petit revêtement d'armes, le kit zoomé. Et les ailes nomades qui sont petit planeur, tout ça pour 2500 V-Bucks. Pardon. Alors, pack, vous avez donc Nomade Estival et pistolet sorbet pour 1500 V-Bucks. La rupture double pour 1200 V-Bucks. Le kit zoomé pour 500 V-Bucks. Les ailes nomades pour 800 V-Bucks. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez Julie des plages avec son rouage prismatique et son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Une serreuse aquatique, un premier outil de collecte pour 500 V-Bucks. Le Brutus des plages avec sa sacoche de plongée, pardon, et la pelle à sable pour 1300 V-Bucks. La terreur des plages avec sa plonge fluo qui sont accessoires de dos pour 1200 V-Bucks. L'étoile fluo, c'est le petit revêtement d'armes pour 300 V-Bucks. La bombette, c'est le petit planeur pour 500 V-Bucks. Le roi des flamands pour 800 V-Bucks, saison 9, premier chapitre donc. Le flamand de jardin, c'est son petite collette pour 500 V-Bucks. Un petit pack avec cuillère à glace qui est une petite collecte, cornet vanille et capricorne qui sont des accessoires de dos pour 1000 V-Bucks. Le petit Bernard, l'accessoire de dos pour 400 V-Bucks. Et la jeu d'élimination. Ensuite, vous avez pas Harley Quinn avec Harley Quinn et son argument massue, son premier outil de collecte. La bataille d'Harley, deuxième outil de collecte. Et des catas verrouillés pour avoir des styles supplémentaires pour Harley Quinn pour 2000 V-Bucks. Ensuite, vous avez Harley et ses catas déverrouillés pour 1500 V-Bucks. La batte de Harley pour 800 V-Bucks. L'argument massue pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez Harley Quinn Rebirth, celle qui maintenant s'est partie ensemble tirée par les cheveux, saison 6, chapitre 2, avec ses deux customs différents pour 1200 V-Bucks. La vengeance d'Harley Quinn, c'est son accessoire de dos. Accessoire de dos réactif s'ouvre à chaque élimination. Le décompte est suivi de la tempête pour 400 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez sur le pack Best Boy, avec Best Boy et son soirée canapé, son accessoire de dos. L'outil de collette, la batte de bestial de Best Boy et Saint-Jeurie, la petite emote, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, vous avez Best Boy avec ce soir et canapé et la Saint-Jeurie pour 1800 V-Bucks. Vous avez la batte de baseball pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Deathstroke Zero avec Deathstroke Zero qui a son katana de Deathstroke qui est son accessoire de dos et son outil de collecte avec ses ailes ravageuses de Deathstroke, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, vous avez Deathstroke donc et son katana qui est son outil de collecte et son accessoire de dos pour 1800 V-Bucks. Les ailes ravageuses pour 800 V-Bucks, voilà les amis. Ensuite, vous avez toujours le pack Flash avec Flash et sa force véloce son accessoire de dos. Les tailleurs de force véloce son outil de collecte. La petite emote sur le pouce. Et pour finir, l'écran de chargement, tout ça pour 2200 V-Bucks. Hors pack, vous avez Flash avec sa force véloce pour 1500 V-Bucks. Sur le pouce pour 400 V-Bucks. Les tailleurs de force véloce pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez Black Manta avec son sac de Manta pour 1500 V-Bucks. Les lames de Manta pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Catwoman Zero qui fait partie de l'ensemble Batman.0 saison 6 chapitre 2 avec sa griffe cramponneuse pour 1500 V-Bucks. Catwoman Zero toute seule pour 1200 V-Bucks. Les griffes cramponneuses pardon, pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Catwoman du comics donc qui fait partie de l'ensemble Gotham City saison X premier chapitre avec ses deux customs différentes. Avec chat précieux, son accessoire de dos, griffe et féline, son outil de collecte, et la petite emote, claquement du fouet. Tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Tony Catwoman du comics avec son chat précieux pour 1500 V-Bucks. Les griffes félines pour 800 V-Bucks. Le claquement du fouet pour 300 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Wonder Woman, toujours avec Wonder Woman et sa cape de Diana, son accessoire de dos. Son outil de collecte, l'âge d'Athéna. Les ailes de l'aigle d'or, son petit planeur. Le revêtement, l'écran de chargement, pardon, de Trinity DC. Et pour finir, les bracelets d'Isphalistos, la petite emote, tout ça pour 2400 V-Bucks. Alors pas que vous avez Wonder Woman et sa cape de Diana avec les bracelets d'Isphalistos pour 1600 V-Bucks et sa petite emote. L'âge d'Athéna pour 800 V-Bucks. Les ailes de l'aigle d'or pour 1200 V-Bucks. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez le Batman Kiri avec son perchoir de Robin avec son accessoire de dos. La faux Death Metal, son outil de collecte. Et les ailes de l'hilarité pour 2200 V-Bucks. Ensuite, les Batman hors pack, donc Batman Kiri avec son perchoir de Robin pour 1500 V-Bucks. La faux Death Metal pour 800 V-Bucks. Les ailes de l'hilarité pour 800 V-Bucks. Voilà.
Pack, alors pas quand tu utilises le pack Batman 0 en armure, donc quand tu utilises en point 0 saison 7 chapitre 2, avec sa cape et Exploplaner qui sont un accessoire de dos, la hache Batarang, l'outil de collecte, et l'Exploplaner de Batman qui est son petit planeur, tout ça pour 2100 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Batman 0 en armure avec son cap Exploplaner pour 1700 V-Bucks, l'Exploplaner de Batman qui est le petit planeur donc pour 1200 V-Bucks, la hache Batarang pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez Batman 0, donc saison 6, chapitre 2, avec sa cape usée, son accessoire de dos, la hache cramponneuse qui est son outil de collecte, les ailes de Batman 0 qui est le petit planeur, et pour finir, l'écran de chargement Batman venu du 0, tout ça pour 2100 V-Bucks. Hors pack, vous avez Batman 0 et sa cape usée pour 1500 V-Bucks, les ailes de Batman 0 pour 1200 V-Bucks, la hache cramponneuse pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez un pack d'équipement de Batman pour 1500 V-Bucks avec le Batcleaver qui est un autre planeur. La petite musique, le croisé en cap, le bat signal, qui est la petite emote, et le maître martial, tout ça pour 1500 V-Bucks. Hors pack, vous avez le bat leader donc pour 1200 V-Bucks, le croisé en cap, c'est la musique pour 200 V-Bucks, le bat signal pour 300 V-Bucks, et pour finir, le maître martial pour 300 V-Bucks. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, j'ai le pack Blue Sport, avec Blue Sport et son spécimen Starro qui sont accessoires de dos. Le sable de l'Argus qui est son outil de collecte, le camouflage de Blue Sport qui est son revêtement d'armes, et avec ses 4 héros au sol, donc avec Harley Fleury, je suis un héros, Pacemaker et c'est un requin pour 1800 V-Bucks, tout ça. Donc ensuite, hors pack, vous avez donc Blue Sport et son spécimen Zoro pour 1500 V-Bucks, le sable de l'Argus pour 800 V-Bucks, le camouflage de Blue Sport pour 300 V-Bucks, voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez toujours le pack Zaza animé pour 2300 V-Bucks avec la banane cartoon avec son Milkshake banane qui sont accessoires de dos, sa banano marteau qui sont outils de collecte, Broussaille cartoon avec son ruche rétro et sa fabrique la fleur donc qui sont outils de collecte, et le petit planeur, le zinc zinzin, donc tout ça pour 2300 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack guerrière du bord de mer pour 2400 V-Bucks également avec race des rivages, l'épine cubesse qui sont accessoires de dos, Guff Surfer avec son panier des profondeurs, Gore officiel avec ses capes de chaîne, tout ça pour 2400 V-Bucks, les amis. Ensuite, vous avez leur pack d'équipement avec pack onde balnéaire pour 1200 V-Bucks avec les coutelas de corps, ces trois outils de collecte, donc couchant royal et sabot cubisque pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack légende estival pour 16€ avec chaperon estival, zoé tropical et banane de plage, avec chacun leur accessoire de dos, besace de trappeur, sac dorsal et cabana banana. Ensuite, il y a toujours le pack Reine du skatepark pour 16€ qui donne un accès permanent à la campagne de sauver le monde. Gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant les quêtes quotidiennes dans sauver le monde, terminer la défense du bouclier anti-tempête base de 3 pour déverrouiller les quêtes quotidiennes et entamer ce pack de défis qui comprend la tenue Tony avec sa plage Shaoli, son accessoire de dos, et les bâtons en roulette qui sont discolettes. Voilà. Ensuite, il y a toujours le pack Maître du magma pour 15€ avec une accélératrice et son kama double feu, Ragnar ardent et ses ailes enflammées, et le roi des flammes et le poney infernal. Et pour finir, vous avez le pack légende ardente pour 16€ avec moulos de guerre et valkyrie ardente, avec la capacité ardente, les ailes de valkyrie ardente et le pyro dragon qui est le petit planeur. Voilà. Sinon, vous pouvez décider de souscrire Club Fortnite pour 12€ par mois. Vous avez déjà le pass de combat et vous rembourse 950 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à la date de facturation du club. Ce mois-ci, vous avez accès permanent à la campagne Sauver le Monde. Et en cadeau, c'est toujours Fenra, donc avec son accessoire de dos, son petit planeur, son outil de collecte, le revêtement d'armes et l'écran de chargement. Voilà les amis, c'est tout pour la boutique d'aujourd'hui. Donc pour soutenir et soutenir la chaîne, n'oubliez pas le code de l'été, le code brasier dans la boutique à renouveler tous les 14 jours. Vous mettez brasier, donc vous pouvez l'effacer, hop, et en minuscule, majuscule, ça marche quand même. Mettez donc brasier dans la boutique. Voilà, comme je fais actuellement. Hop, vous acceptez. Et moi, ça me soutient et ça m'aide énormément. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, le partage, tu connais. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est en bas à droite que tu peux le faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve ce soir, donc pour notre live Fortnite. Bye bye les amis, ciao ciao.